salut tout le monde, c'est MrBboy45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure horrifique sur Resident Evil 8 Village. Et je sais que vous connaissez tous les débuts de vidéo par cœur et vous êtes peut-être même dans votre tête à ce moment précis en train de répéter les premiers mots de cette vidéo. Comme d'habitude, plongez-vous dans le noir avec un casque ou des écouteurs, un petit truc à boire et à manger, on se retrouve une bonne demi-heure ensemble, et on avait beaucoup de choses à voir avec le vendeur qui nous a appris beaucoup de choses sur les nobles qu'on va devoir aller détrôner, si je puis me permettre, pour récupérer tout ce que l'on a besoin. Merci à tous ceux qui prennent le temps de mettre un petit like et commentaire. Heureusement, vous êtes extrêmement plaisir. Trouvez des ingrédients. Eh ben, regardez et apportez-les-moi. Voilà. Voilà, mon pote. On y est ou pas? Bien sûr qu'on y est. On peut faire carrément des bouillons, mais c'est quoi ce délire? Des rouleaux de choux supérieurs farcis d'un poisson, rare que l'on ne trouve que dans la région. Si léger qu'il donne au corps une sensation d'apesanteur. C'est incroyable. Quantité 2, d'accord, ok. On peut tenter un petit peu de tout. La fin justifie les moyens. Mais alors, ça se vend ou réduit grandement les dégâts subis lorsque vous vous protégez? Effet permanent. Augmente grandement votre vie. Effet permanent. Donc en gros, c'est effet à vie. Hein. Augmente grandement. Réduit grandement. Augmente votre vitesse de déplacement. C'est incroyable en fait. Mais c'est trop stylé. Augmente votre vie. Augmente grandement votre vie. Il me faut de la viande, c'est incroyable. C'est incroyable. Ok. Il me faut de la viande à gogo. Le bazar! J'ai que 9000, mais attendez, attendez, regardez. Manger, alors, vivre. Bien sûr que manger. Alors là, je suis totalement d'accord avec lui. Hein. Il faut manger dans la vie. Ouais, on est bon. Je regarde. Objet de grande valeur, 10 000. Pas rien. Et tout le reste, c'est totalement combinable. Sauf ça. Très bizarre, non? Mais après, 8000, c'est déjà beaucoup. Hein. Objet de grande valeur, c'est plus combinable. On va se régaler, là, je reconnais ça. Heureusement que j'ai rien vendu. Hein. Objet de grande valeur, objet de grande valeur aussi. Bah, on est très très bien, écoutez. On est très très bien. 10 000, mine de rien, le mec qu'on a galéré à tuer. Hein. On est très très bien, je pense. Défensons sans compter. Combinable, combinable, combinable. Ok, on garde le reste. Très très bien. Oh la vache. Je suis très content. Je suis très content de tout ce qui est en train de se passer là. 700 pour 10 000. En vrai, let's go mon pote. Un instant, je vous prie. Mais bien sûr, prends ton temps. Alors, qu'est-ce qu'on a là comme mode? On a... une lunette de snipes, beaucoup plus efficace. On va l'attacher de ce pas. Et on a ça, 20 000. Un appui-joue. Réduit les tremblements lors de la visée. On a énormément de choses. Ça, je pense que si j'étais passé à côté... Ok, ça, c'est indisponible, mais il n'est pas améliorable. Hein. Le Samurai Edge, hein, c'est le pistolet qu'on a eu de préco. Merci de votre visite. On save. On est bon. Et oh, il y a tellement de choses à faire et à voir. On a la clé des 4 ailes ici. D'accord. On a qui? What? Ah, il va se passer quelque chose de très beau là, non? Regardez. Oh, regardez. Quoi? Quoi? Attends, 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 mon ref. Je suis pas d'accord là, hein. Ça y ressemble, hein. Il y a encore quelque chose qui se combine. Il y a 4 ailes. Je parle pas de la voiture. J'ai peut-être pas mis la bonne. Cette clé ne rentre pas. Il y a une sorte de fœtus. C'est dégueulasse. J'ai été brisé dans mes rêves. La collection de Maestro. Ouais, mais ça, on sait que c'est le jardinier. Donc, pour l'instant, tout ça... L'héritage de Louisa, ça on l'a récupéré. Ok, donc tout ça c'est des très beaux trésors. Trésor de la rive. Eh bien écoutez, on va aller chercher le trésor de la rive parce que je pense qu'il est accessible. C'était devant le château, souvenez-vous. Et en plus de ça, c'est peut-être finalement le couteau qu'on a fait tomber.
parce qu'on ne l'a pas récupéré, souvenez-vous. Il est tombé aux alentours du château, et c'est vrai qu'on l'a pas récupéré. Très bien, très bien, très bien, très bien, très bien. On y va. On y va tranquillement. Ouf. Ok, d'accord. Ok, d'accord, ok, d'accord. Et hop, on prend. Comment est-ce que vous pensez... Alors, ça me paraît bateau, hein, si je puis me permettre. Mais est-ce que vous pensez qu'un petit tir dans les cordes... Ouais, bon, voilà. C'était totalement en fond. Ouais, ça se laisse tenter. Ça se laisse tenter. Respectez-moi un petit peu, s'il vous plaît. Je comprends pas ça, en fait. Il y a une corde. On a une corde ici. Je comprends pas ça. Sésame, ouvre-toi! Ça ne marche pas. Ça ne marche pas de toute évidence. Bah mince alors! Le Cléphétus à 6 ailes. Bon, bah écoutez, Cléphétus à 4 ailes et la clé à 4 ailes. On va aller là, tout simplement. On va pas se battre. C'est parti pour la suite de notre aventure. Je pense que quand on sera sorti... Voilà. Ok. Ils étaient en train de grailler la dame. Elle a rien demandé, regarde. Fabriquer des munitions. Non, peut-être pas. Commencez pas, s'il vous plaît. Bah, c'est pas cool, par contre, que le village se re-remplisse, là. Il se passe quoi, les gars? On est parti. Direction la suite de notre aventure, avec une sorte de grande résidence qui risque d'être très, très ardue, si je puis me permettre. C'est juste par ici. D'accord. Donc, en fait, la clé est combinable je ne sais combien de fois. Après, va falloir mettre le fœtus dedans. Très, très bien. J'ai peur. Je me raccroche à la vie. Et je me saoule avec le bruit. Ok. Genre toi, t'as de la brume juste chez toi, cousine. Ah putain, on va affronter... Ah ! Le petit truc. C'était quoi ce cri de merde que j'ai fait? Ouais, parce que c'était un corbeau, mais pas si impressionnant que ça, tu vois. J'essaye de regarder partout. Ouais, je suppose que c'est là qu'on aura la tête de la poupée, n'est-ce pas? Quoi? Ah, ils étaient trois. Oh là là, j'aurais dû jeter une bombe là-dedans. Alors, c'est la fabrication de poupées, c'est ça? Elle fabrique des poupées, je crois, hein, pour tout le village. Hein. J'entends le bruit de la chèvre, là. Ah, ça me stresse. Vous entendez aussi? On verra plus tard. J'entends des bruits de chèvres, mais je les trouve pas, c'est terrible. Ok, let's go. J'avoue, j'ai eu un petit spasme. Ok, ok. Ethan. Quoi? Très bien. Alors ça, c'est pas drôle, ça. Ethan, viens avec moi. J'ai quelque chose à te dire. Mia? Qu'est-ce qui se passe? Ok. On a une petite cage. Bon. Je pense que ce n'est pas Mia, vous l'aurez compris, hein. Plutôt une illusion. On a essayé, on a essayé. Grosse alerte.
différente. Ethan, tu dois faire quelque chose. C'est quoi ce bordel? Bon, Mia, qu'est-ce que tu veux me montrer? Tout le monde m'abandonne. Même Rose. Non, dis pas ça, Mia. C'est pas réel. Bah non, c'est pas réel. Les gens ne disparaissent pas comme ça, Ethan, voyons. Et encore moins apparaissent. Ok. Très très bien. Une belle porte. Oh, c'est beau. A Beneviento, 1987-1996. Très bien. Ouais. Bah, on a notre trésor là-haut alors. Mais est-ce que je dois marcher? Ben non, je dois pas marcher sur la tombe. Qu'est-ce que c'est que ça? On a une très grande porte. Arrête, Ethan. Eh, on va pas se caca-culotte maintenant. On a fait la moitié du boulot. Hein. Bon, pas du tout. Quoi? Abandonne tes souvenirs. Ah, ok. Tenez! Elle me sert enfin à quelque chose, cette putain de photo! Je savais que cette photo allait ouvrir une porte un jour! J'y ai toujours cru! Qu'est-ce qui se passe? Ok. On a un ascenseur. Oh, je sens que ça va être hardcore ce qui va se passer là-dedans. Hein. Je sens que ça va être hardcore. Oh oui. Oh là là! Préparez-vous! Ça va swinguer! Ça va me rappeler l'anniversaire un petit peu là. Ah, je suis sûr qu'on sort par là. Ça rappelle un petit peu, vous savez, l'anniversaire dans Resident Evil 7 qui était incroyable cette séquence. Ouais, voilà. Oh, je suis vraiment monstre, quoi. En même temps, il y avait deux portes. Ouais, mais vous savez, le temps de voir vos commentaires, autant, si je peux me permettre l'expression, s'auto-piper. Oh! Très bien. Ça rappelle un manoir. Oh là là, mais attendez, mais je vais même m'arrêter là. Eh, un petit screenshot et on a la Mia de l'épisode. Incroyable. C'est beau, hein. On va tout fouiller. La maison Beneviento. Très très bien. Ok. Ok, j'ai peur. J'ai toujours mes armes. On va essayer de checker des infos. Sur un malentendu. Ok. Ah, bon allez. Lui, c'est parce que j'aurais la flemme de revenir ici. Les deux autres étaient dans le village. Ouais, on s'en fout. Allez, au diable l'avarice. Ok. Très belle demeure qui plus est. Très très bien. Ok, on a des petits trucs à ouvrir, ça c'est très sympa ça. Y'a rien. Très belle maison. Je vois que certains sont dans le luxe ici. Une très belle poupée. Non, ils vont pas se mettre à bouger par contre. Je pense pas qu'ils en seraient capables. Alors, ok. Ok, mais on peut rien lire là? On peut rien lire. Très bien, c'est pas grave. C'est pas grave. Hall d'entrée. Hall d'entrée, on a quelque chose. Hall d'entrée, on a quelque chose à faire tomber. Mais pour l'instant, je ne vois rien. Oh la vache! C'est une poupée qui a pris vie, c'est ça? Je commence à avoir la bouche pâteuse. Ça y est, c'est le moment. C'est le moment de l'épisode où ça commence.
sur un malentendu, ça marchait. Hein. Ne critiquez pas, ok? On a chacun nos défauts. Oh putain, c'est pas vrai, encore un échec. Tous mes coups de couteau ne sont voués qu'à l'échec. Ok. Mais attendez, y'a rien là? Oh! Rien du tout, qu'est-ce qui se passe les gars? Bon bah on va descendre. Là on peut rien prendre. Ici je n'y suis pas allé. Ok. Alors là, je suis, si je puis me permettre, sur le cul. Ah, ok. Dans le séjour. Cette porte n'a pas été... Ah ouais, ok. Ok, ok, c'est cette porte qui n'a pas été essayée. Très belle maison, hein. Moyen, par contre, le couloir, mais... On performera tout ça un petit peu plus tard, hein. Encore ? Pas vrai. Mais je comprends pas, les gars. Pourquoi vous mettez... Si on peut rien faire, pourquoi mettre... Je sens qu'on va en enfer, là. C'est bizarre. C'est très bizarre, là, cette sensation. Vous voyez, cette sensation d'enfer, un peu. En plus, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de save, mine de rien, depuis qu'on est rentré. Donc, ils vont peut-être pas nous faire un... Une phase de jeu d'une heure. Quoique, ils en sont capables. Ils l'ont déjà fait. Ok. Très, très belle maison, hein. Impression que ça rappelle un petit peu le manoir. Si vous voyez ce que je veux dire. Ok. Ok, c'est une salle de ciné. Des petits casiers. Je crois qu'il n'y avait rien. Par contre, ici, on a quelque chose. Ici, on a quelque chose. C'est un tableau électrique. On peut rien faire pour l'instant. Incroyable. Ok. C'est très bizarre. Hein. Je sais pas ce qui se passe, en fait. C'est très stressant. On sait jamais. Pourquoi faire toute cette maison s'il se passe rien? Qu'est-ce qui va se passer là? Oh les gars, course-poursuite? Mais il n'y a aucun endroit pour tourner en rond en plus. C'est très bizarre. Je t'attendais ici longtemps. Je ferai une bien meilleure fille que Rose. Dis, tu veux pas rester avec j'aurais moi pas dû pour toujours? Quoi? Merde, où est mon arme? Quoi? Ah! Je viens de me faire racketter, là! Eh ben, écoutez, c'est une petite save, hein! Évidemment qui s'impose! Je crois que je viens totalement de me faire racketter! Et ça, c'est terrible! Et j'ai rien! Ah, dur! Donc, ok, je crois avoir compris... Oh non, d'accord, ok. Non, bah je crois pas avoir compris alors. Non, je crois pas avoir compris, très bien. C'est pas grave. C'est un racket en bonne et due forme, j'ai rien vu venir. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, j'ai rien du tout. On dirait qu'il manque quelque chose. Attends les gars, oh c'est un escape room ou quoi les refs? On dirait vraiment comme l'anniversaire. Incroyable. Qu'est-ce que c'est? On va pas rester bloqué ici quand même. Ok. Si on va rester bloqué ici? J'en bégaye. Alors là? Ça, c'est cocasse.
Pour l'instant, aucun chiffre me parle. Attendez. Très bien. Ça me rappelle énormément l'anniversaire. Bon, pour l'instant, rien me parle. Il y a un problème quelque part. Il y a un problème quelque part. Il y a un code. Mais où trouver les chiffres? Alors ça, c'est une bonne question. Sur le cadran, je ne sais pas. Là, on a un fer à repasser ou à chauffer. Ah putain, c'est pas vrai. C'est Mia. Est-ce que ce mannequin, c'est Mia? Ah! Il y a quelque chose dans sa bouche, mais il faudrait un outil pour le saisir. T'abuses, tu mettais deux doigts, oh. On est où, là? Ok. Pour couper les bandages. Bon, bah, j'ai bien compris que je suis totalement impuissant dans ce jeu. Ah, ça marche exactement. Allez, Ethan, mon ref. Voilà. Comme un escape room, finalement. C'est stylé. Oh putain. Ok. J'ai eu peur. Voilà, je vous le dis, j'ai eu peur. Qu'est-ce qu'on a là? Ok, une jonction. Très bien. Une clé. Un morceau de clé. On avance. Une clé de remontage. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ah ouais, on a vraiment des trucs un peu partout. Donc là, je suppose qu'il faut aller à la jonction ici aussi. Et hop, on retire le bras. Si ça se trouve, là, je suis en train de tuer ma femme, en fait. Si tu vois ce que je veux dire. Très bien. Très, très bien. On a les trois yeux. On a un autre morceau, une clé en argent. L'œil gauche. Oh, un coup de pied, t'as vu ça? Elle est pleine d'énergie, c'est dingue. Corbeau qui vole. Corbeau qui vole et évidemment on a la clé, une clé de remontage. On y va. C'est déverrouillé. Incroyable. Très stylé ce qu'ils ont fait là pour le coup. Une bague couverte de sang, on va la mettre dans l'eau, ça me paraît logique. Ok, c'est une belle bague. Hop, ça, direct, on va aller voir le bijoutier, mon pote. C'est l'Alliance. Très bien. Ok. 05 29 11. 05 29 11. 05 29 11. C'est verrouillé de l'autre côté. Ça me semblait logique. Très bien. 05 29 11, on a normalement presque les deux issues. Attends, on va ouvrir ici tout de même. 05. Ça c'est très sympa, j'adore ce genre de jeu. 29. Voilà, let's go. Jusqu'ici, pas trop de soucis. On va save parce qu'on a bien avancé. On avait un corbeau et les trois yeux. Alors. Les trois yeux étaient fermés, je crois. Un corbeau qui s'envole. C'était ce corbeau-là. Voilà. Ensuite, ici.
C'était les trois yeux fermés, me semble-t-il. Et puis là, bah, il nous faut le symbole qu'on n'a pas, évidemment, et qu'on va aller chercher de ce pas. Alors, c'est par ici la sortie. J'ai une clé de remontage. Ça servira sûrement à remonter, voilà, ouais. Ok. Très beau, ça. Alors, cette boîte à musique est un souvenir de ma vie avec Ethan. Malheureusement, elle ne fonctionne plus. Bah oui, bah parce qu'il manque quelque chose, la clé de remontage, oh. C'est terrible. L'ambiance est trop stylée, vraiment. Là, c'est un pur kiff. Ok. Alors, clé de remontage. Qu'on avait vu d'ailleurs à l'épisode 1, hein, si jamais. Hein. Quoi? Ok. D'accord, j'ai compris. Ok. On est bon, joué. Let's go. Ah. Ah non, on n'est pas bon, on n'est pas si bon que ça. Ça ne fonctionne pas. Ou alors? Ouais, ça m'a l'air un petit peu mieux là. Ouais, ça m'a l'air un petit peu mieux. Let's go. On est bon! La pincette! Pour récupérer ce qu'elle a dans la bouche, n'est-ce pas? Ok. Je suis pas bien, je suis vraiment pas serein. Très bien. Je suis... Ok, une femme enceinte. Je suis vraiment pas serein. Bah non, on va pas save tout de suite. N'abusons pas de bonnes choses. On va déjà récupérer ce qu'elle a dans la bouche, celle-ci. Non, pardon, c'est pas l'œil que je voulais voir. C'est ça que je voulais voir. Hop, voilà. Allez, récupère-moi ça avec la pincette. Dis donc. Morceau de pellicule. Oh mon Dieu, non. Je ne peux pas le dire à Ethan. Tout, mais pas ça. Ok, Mia nous cache donc quelque chose. Mais que veux-tu que je fasse avec un morceau de pellicule? Ah, d'accord. La petite poupée. Elle sait quelque chose de toute évidence qu'elle ne va peut-être jamais nous dire. Bon. Alors attendez, il faut que j'aille dans une salle de ciné. Une pellicule. Il n'y a pas des produits genre... Vous voyez ce que je veux dire pour le transformer en photo? Je sais pas, je dis une connerie, mais enfin... Tchac. Alors ça, c'est fou. Ok. C'est l'angoisse. C'est l'angoisse de ouf. Très bien. Souvenir de famille. Le meilleur ami de Rose. Elle aime beaucoup cette histoire. Ce qui compte le plus pour nous. Un cadeau de mariage offert par grand-mère. La preuve de l'amour éternel d'Ethan pour moi. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça ?
Ah non, c'est pas le bon ordre. Ben oui, alors attendez. Le meilleur ami de Rose, elle aime beaucoup cette histoire. Très très bien. Le meilleur ami de Rose. Elle aime beaucoup cette histoire. Ce qui compte le plus pour nous, cadeau de mariage offert par grand-mère. Pour nous, Rose et cadeau de mariage offert par grand-mère. C'est ça, tout simplement, non? Ou alors c'est l'impôt, oui, c'est bon. Ok. Bizarre. Un puits. The Ring. Pourquoi il commence à faire noir dans la pièce? Ok, un landau. C'est très bizarre. C'est très malsain. Mais on aime. Bon. On aime. Ok. Très bien, très bien, très bien, très bien. Très très bien. Eh, c'est que des bandages, hein. Tu mets un gros coup de pied là-dedans, ça dégage. Hein. Ouais, encore une nouvelle partie, c'est ça, non? Clé en argent, peut-être? Ah bah non, il faut mettre un bébé. Où est le téléphone? Allô? C'est Uber Eats! S'il te plaît, Ethan, écoute-moi. Je ne voulais pas te cacher ça. Mia? Je ne voulais pas te perdre à nouveau. Je ne voulais pas détruire notre famille. Mia, de quoi tu parles? Je vous aime tous les deux. Tellement fort. Je n'ai pas eu le choix. Il fallait que je le fasse. Qu'est-ce qu'elle a encore fait? C'est pas possible. On redécroche, attendez. Oh, Mia, on n'a pas fini de discuter. Oh bah super. Bravo. Je perds tellement de doigts, de mains avec toutes ces conneries. Attends, on a toujours pas le bébé. Eh bien écoutez, il est... Mia. Ah. Oh. Allez, il est temps de s'arrêter là, les amis. N'oubliez pas de j'aimer le commentaire, je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à la prochaine pour la suite de notre incroyable aventure. Nous sommes dans une totale angoisse. Bisous tout le monde. Ciao, ciao.